Ah, seul sur le sable, les pieds dans l'eau. Et ouais, c'est moi. Et pourquoi j'ai les pieds dans l'eau? Parce qu'en redescendant vers le sud, on a des flammes qui nous tombent sur la tête, littéralement au Costa Rica. Lui là-haut, là, il nous tape dessus, comme c'est pas permis. Rien que pour rejoindre l'eau, ici, le Pacifique, eh bien, marcher sur le sable, c'était une mission, tellement il est chaud. Bref, on se trouve entre Quepos et Uvita, à mi-chemin à peu près. On va vous mettre le nom de la plage, je l'ai pas retenu. Et on est bien là. La plage est bordée de cocotiers. L'eau est bleu turquoise. Le ciel est bleu turquoise lui aussi. Et on est bien là. Allez, on va faire un petit tour de drone. Ça vous dit? Allez, ça vous dit. Moi aussi, ça me dit. Comme je vous l'ai un petit peu sous-entendu tout à l'heure sur la plage, nous sommes dans la région d'Ubita et c'est un petit peu le carrefour pour aller à Drake ou pour remonter un petit peu dans la montagne. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue vers la montagne ou est-ce qu'on redescend vers ce qu'on a déjà vu, Drake, Corcovado, etc. Vu que les jours nous sont comptés, il ne reste plus beaucoup de jours là. Et que je pense que vous l'avez compris un petit peu maintenant, hein, on fait un voyage un petit peu slow, un petit peu tranquille, un petit peu détente, un petit peu découverte. On a décidé de ne pas speeder pour faire un maximum de choses. Et bien, je pense qu'on va remonter peut-être vers la montagne. Donc le dilemme, ça va être, est-ce qu'on va trouver des hébergements? On ne sait pas, parce qu'on réserve un petit peu 2-3 jours à l'avance. Donc tout n'est plus disponible. Et donc c'est une de nos contraintes. On l'assume complètement, hein, parce qu'au moins on n'a pas à courir pour être absolument dans 2 jours à l'autre bout du pays. Donc voilà. Mais en attendant, on va découvrir ce petit jardin, le jardin de l'hôtel, une fois de plus. Je sais pas si on va voir grand chose, mais en tout cas c'est très agréable de s'y promener. Bon, on a vu des capucins, ben, finalement bonne surprise, hein. Très furtivement parce qu'ils se cachent assez vite. Je pense qu'il y en a encore au-dessus là. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir en fait dans le reste du Costa Rica, ben, dans les parcs. Dans les parcs ils sont habitués aux touristes, donc ils s'approchent très près. Ici ils sont vraiment sauvages, c'est pas du tout les mêmes. Ouais, ah, on les entend encore au-dessus. On voit des branches tomber, des feuilles tomber, des cris dans les arbres. J'ai encore le cœur qui bat à fond là. Il y avait donc dans le creux de cet arbre là une couleuvre qui était tapie, donc tout enroulée, je pense qu'elle dormait. Flo et Léna sont passées et ça a dû la réveiller. Moi je suis arrivée derrière et je pense que comme elle était réveillée, elle regardait un peu et pile au moment où je suis passée, elle s'est dressée, mais comme un cobra. Elle doit faire 2 mètres de long puisqu'elle est juste là, on peut encore la voir. Et, mais comme un cobra, je pense qu'elle était quasiment montée de 50 cm. Elle me regardait, j'étais à 1 mètre d'elle. La frousse quoi! J'ai crié, j'ai reculé, je pense qu'elle aussi a eu peur, donc on est parti dans 2 chemins opposés. Et j'ai jamais vu un serpent de cette taille, d'aussi près, et surtout en position d'attaque. On est sorti de cette jungle, là, on voulait de l'aventure, je pense que là on l'a eu, entre donc, les serpents, les araignées qu'on ne vous a pas dit,
les bruits et tout ça. Et surtout le sentier hyper promatoire où on s'est perdu plusieurs fois et on n'avait pas de GPS, on n'avait rien. Bon, et les fourmis coupe-feuilles partout, celles qui piquent. Allez, petite parenthèse culinaire. Alors, cette seconde année, contrairement à l'année précédente, on a fait beaucoup moins de sodas. Les sodas, c'est des petites échoppes, on va dire, où on mange des casados. C'est des plats typiques costariciens. C'est pas cher, c'est bien pour dépanner. Mais bon, c'est pas très varié, c'est un peu toujours la même chose et on en arrive vite à bout. Donc là, cette année, on a changé, on s'est diversifié, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de plats différents, de cultures différentes ici au Costa Rica. C'est pas tellement beaucoup plus cher et du coup, ça rend tout de suite l'aventure culinaire plus intéressante. Là, ce soir, on va aller déguster des empanadas argentines. Argentin. Pas comment ça se dit. Argentin. Et c'est super bon, on va vous montrer ça. Attends, c'est chaud quoi. Ce qui est super aussi au Costa Rica, c'est les jus de fruits frais. Ça s'appelle des batidos. On peut les avoir avec de l'eau, avec du lait. Ici, jus de fruit de la passion, je sais plus comment ça se dit en espagnol, je l'oublie tout le temps. Et ce qui est super bon, c'est ceux avec le lait, la piña con leche, franchement ça tabasse. Il y a aussi de la pastèque, papaye, bon bref, à chaque fois, à chaque repas, on apprend. Et oui, on vous avait promis qu'on irait en montagne. Nous sommes en montagne. D'ailleurs, nous sommes dans un endroit magnifique. C'est bucolique, c'est joli. Regardez, on a encore un super jardin. On a encore bien choisi notre hôtel. Et mais trêve de blabla. Vous avez vu, on a un truc dans le pneu. C'est pas cool. Donc on va aller essayer d'aller réparer ça. Ça risque d'être une aventure ici, comme... Donc tout ce qui sort un petit peu du commun, de manger au restaurant et de trouver un hôtel. Donc voilà, je vais aller me mettre en mission pour aller chercher un réparateur qui va pas me la mettre à l'envers parce que là, une petite mèche, ça devrait suffire. Hein. Peut-être 20, maximum 50 euros en France. Donc voilà, j'espère que je peux m'en sortir pour trop cher. Bon, ne pas parler espagnol pour un délire comme ça, c'est pas terrible. Bref, j'ai été au bureau là-bas. Au bureau, j'ai traduit sur une petite traduction là. Il m'a dit, ah ok, va voir Marco. Ok, je vais voir Marco. Il y a un Marco ici? Non? Bon, ok. Bon, j'ai remontré ce que j'avais traduit à l'autre là. Ah, ok, vas-y, garde-toi. J'espère que ça va aller. Et on verra la suite. Allez, me voilà reparti, la sentence est tombée pour le prix de la réparation pour mettre une mèche. Alors, le délire, c'est qu'il faut vraiment aller au truc de réparation. Ok, j'ai ça comme problème, d'accord, je te prends dans un quart d'heure, il y a lui et lui avant. Ok, pas de souci. Donc, il fait la réparation, c'est quoi ton prénom, Florent, ok. Donc, informatiquement, il le rentre. On va à la caisse, là où j'étais au début, en fait, à l'espèce de bureau, et on paye. Donc, le prix pour une mèche, ici au Costa Rica, ça coûte 2500 colonnes, c'est-à-dire 3,50 €. C'est ridicule. Donc ne pas hésiter, si vous êtes au Costa Rica et que vous crevez, voilà, il n'y a pas de souci. Approchez-vous d'un centre de pneumatique, garage, etc. Ça coûte rien. Bref, il fait tellement chaud encore dans ce pays, malgré qu'on soit en montagne, que je vais rentrer à l'hôtel et aller profiter du jardin et surtout de la piscine. Ouais, on va se détendre. Bon voilà, je tiens parole, je suis dans la piscine. Mais elle est froide, parce qu'il a sa pompe à chaleur qui est en panne. Normalement, il la chauffe un peu, parce qu'on est en montagne quand même. Donc, la nuit, elle redescend en température. Mais vu qu'elle est couverte, en fait, elle n'a pas le temps de chauffer la journée. Et du coup, c'est froid. Enfin, c'est froid, ça va être à 23, un truc comme ça, je dirais. Donc, je pense que j'irai pas plus haut que la ceinture. Non, tu me jettes pas sur la tête. Ah! Attention, je vais te mouiller moi aussi. Hein. Bon allez, j'ai les choses à régler, je vous laisse. Ciao.
On the road again, again. Vous connaissez celle-là? Eh oui, dans ce vlog, il y avait beaucoup de routes, mais bon, là on va au Tammy Lodge, en pleine montagne. On va être aux alentours de 2000 mètres d'altitude. C'est un truc un petit peu atypique qu'on a voulu prendre pour avoir une expérience un petit peu différente sur la fin du séjour. On va voir. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais en tout cas, la fraîcheur nocturne va nous faire du bien. Ça fait 2 semaines et demie qu'on se cogne du 32 degrés minimum. Donc ça va nous aider à respirer un peu, à caresser nos corps avec de l'air frais. On y va ? On y va, Léna ? Léna, on a marre. Ouais. On y va. Ouais. Allez, petite halte sur cette route vers notre prochaine étape. Et on s'est arrêté à Torres de Transmisión. Tour de transmission en bon français. Pourquoi ? Ben, il est autour de moi. Hein. Il y en a partout. Je fais attention de ne pas tomber. Il y en a absolument partout autour de moi. Qu'est-ce qu'ils transmettent ? Je ne sais pas. Télécommunications, TV, radio, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que depuis la route principale, il y a un petit chemin qui permet d'accéder ici, c'est autorisé. Donc c'est cool, et puis on a des jolies vues sur le Costa Rica, sur la partie ouest et la partie est. On voit la mer au loin là-bas, c'est dommage, il y a un petit peu de nuages qui gâchent un peu, mais bon, ça donne des contrastes, c'est assez joli. Et donc ici, on n'est pas au plus haut du Costa Rica, on est à 3450 mètres et des bananes, donc voilà. Et donc ça se sent, hein, au niveau du souffle, c'est pas pareil, hein. Après 2 semaines et demie au bord de la plage, je peux vous dire que voilà, ça se ressent. Nous sommes arrivés sans encombre au Tammy Lodge. C'est pas le cas de 2 personnes qu'on a pris en stop, qui ont été en galère, qui ont cassé leur boîte de vitesse. On s'est dit, mais il y a une voiture garée au milieu de nulle part, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'était eux. Et le hasard faisant bien les choses, eh bien, c'était le cuistot du restaurant d'empanadas argentin qu'on a fait à Ufita. Donc, peut-être me dit quelque chose. Ah ben ouais, c'est vous. Donc voilà, le monde est petit. Donc on les a amenés jusqu'au village après, pour qu'ils puissent appeler une dépanneuse du coup. J'espère que tout va aller bien pour eux. Nous, on est arrivé un petit peu tôt. Ça, c'était un temps. Nous, on est arrivé un petit peu tôt au lodge. Donc, le temps qu'ils préparent la chambre, on va aller faire un petit tour au niveau de la cascade. Et c'est plutôt insolite, hein, du coup, donc c'est une genre de tente dans un abri. On va être en communion avec la nature et venez voir la salle de bain. Voilà, tout nu dehors. Bon, je vous rassure, on ne nous voit pas de l'extérieur. Ça va être bien de prendre la douche, là. Alors, en plus de la belle vue, ici, on a la solitude. On est éloigné de tout. Pas d'internet, pas d'électricité. Ouais, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ampoule connectée avec une télécommande à distance, là, pour pouvoir allumer la lumière. On a 3 heures d'autonomie, je crois. 30 minutes à fond. Bon, voilà. On n'a pas intérêt à avoir une bestiole à l'intérieur et paf, ça s'éteint à ce moment-là. Bon, bref. Toujours est-il que si on veut vraiment déconnecter et connaître le Costa Rica profond,
Je pense qu'il n'y a pas mieux. Et franchement, on est bien. Bon, t'as bien dormi toi? Ben moi ça va, franchement j'ai bien dormi. Et j'avais peur d'avoir froid et en fait pas du tout, la température elle descend pas tant que ça, les couvertures sont suffisantes. Par contre l'humidité ça m'a un peu gênée parce que avec le brouillard, la pluie, je sais pas si c'est parce qu'il a plu hier, mais tout était très humide, les draps et tout, c'était un peu moite. Donc pas hyper agréable, mais sinon ça va, moi j'ai bien dormi. Et toi Flo? Ouais comme toi. l'humidité des draps qui est un peu dérangeante, mais bon, ça nous empêche pas ce matin de profiter de ce super panorama. Qu'est-ce qu'on est bien là? Voilà, c'est ici dans ce petit paradis idyllique du centre du Costa Rica que s'achève notre voyage, notre seconde expédition au Costa Rica. C'est un voyage qui nous a beaucoup plu, malgré le fait qu'on y soit retourné pour la seconde fois. On était moins en découverte, on a été parfois un petit peu déçus du fait de la reprise de l'activité, qu'on ait eu une expérience un petit peu différente humainement par rapport à l'année dernière. Mais ça reste quand même un chouette pays, les paysages sont toujours magnifiques, la faune et la flore sont en rendez-vous, donc c'est une très belle expérience. En tout cas, pour la suite, on va retourner vers San José. On va rencontrer tout à l'heure la LQC Family qui se trouve actuellement au Costa Rica. Ça va être l'occasion de débriefer sur nos expériences et puis les petits, je pense que vont apprécier de se retrouver. Et puis après, voilà, retour sur Toulouse pour nous. Et puis pour la suite après, on ne sait pas trop. On a beaucoup de projets dans la tête, mais aussi beaucoup de choses à clarifier. Comment on se réinstalle, un projet d'achat, de construction qui a plus ou moins pris l'eau. Bon, on vous donnera quelques news sur Facebook à ce sujet. Donc voilà, pas mal de flou, mais beaucoup d'envie ont émergé aussi de ce retour. Voilà, la nature, les voyages, nous on aime ça, c'est notre style de vie. Donc on aimerait repartir sur le long terme, mais dans quelques années, et puis sur du moyen terme prochainement. En tout cas, on vous tiendra rapidement au courant. Et il y aura encore, c'est sûr, de belles aventures. Allez, on vous dit à ciao, ciao, et à très vite.